Et bien bonjour tout le monde, c'est Ennemi Coupable, et désolé cette session est très forte. Mais bon, on va la régler malheureusement du coup. Et bien, on se retrouve enfin pour une vidéo sur Tiki, c'est magnifique putain. Je n'y croyais même pas moi-même. Mais finalement ma clone s'est arrêtée. Je vais le faire. Je reprends. C'est beau notre choix. Non, en fait, on fait de la merde. Ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Youhou. Bon ok, j'ai plus de blindage. Yes. En vrai je me dis que... Ah. Ce que je me dis quand même c'est que... A force, vu que je fais Bioshock, c'est un peu une sorte de jeu d'armes, je me demande si un jour, je sais pas en vrai si je le fais, mais je commence de plus en plus à me poser la question si éventuellement je ne ferai pas quelques jeux Call of Duty en let's play. J'ai quelques envies. Enfin après ça dépend, hein, je ne ferai pas tous les modes d'histoire des Call of. Hein, je ferai seulement les Call of qui ont un bon mode d'histoire selon moi. Si un Call of a un mode d'histoire nul à chier à mon goût, bah forcément si je l'ai je ne vous le ferai pas en let's play, parce qu'en let's play je fais seulement les jeux que j'aime bien. Ou alors que j'ai envie de découvrir comme oh je sais pas, un peu trop de let's play de jeux 3DS, DS et émulateur Nintendo 64 que je fais il y a 2-3 ans. Putain c'est... Vous devez me prendre pour un monstre. Une fille qui peut ramener les morts à la vie, qui a pour seul ami un drôle d'oiseau géant. Ouais, c'est vrai que t'es chelou, Elisabeth. Vous devez me trouver ridicule. Tu t'es fait avoir, c'est tout. Je refuse de retourner dans cette tour, quoi qu'il puisse arriver. Ouais, on va dépouiller pour te retrouver. Pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Tu leur fais peur. Bien. Qu'ils veulent, mes frères. Vous affamer jusqu'à vous faire supplier. Vous laisser dans l'ignorance pour vous empêcher de trouver des solutions à vos problèmes. C'est marrant comme quoi des... Ces gens sont comme ça à cause de filles. Daisy a peut-être raison. C'est marrant comme un jeu... On devrait peut-être lui faire payer tout ça. Ferme ta gueule. Pas avant qu'elle nous paie. On prend les armes, puis le dirigeable. Les privilégiés. Une petite pièce, l'ami. On n'a pas tous la chance d'avoir un travail ici. Pourquoi tu me sors que je vais aller donner de la thune? Bon, attendez, maintenant qu'on va crever. Bon. Du coup, je disais, c'est marrant quand même comment un jeu vidéo qui parle des années 1912 arrive à être tellement réaliste avec ce qu'on a en 2020 dans le monde. C'est fou, non? Ouais, oui, hein, je dépense ma thune dans n'importe quoi, dans ça je m'en branle parce que dans tous les cas, j'utiliserai toutes les armes dans le jeu. Que je le veuille ou non, j'aurai utilisé au moins toutes les armes. Ok, je me casse. Ouais, non, je vais pas tenter le diable, hein. Ça se peut tous les autres ils ont des armes et j'ai la flemme de me gunfight. Oh, j'avais pas fait ça de mon côté. J'avais même pas remarqué qu'on pouvait jouer de la guitare. Est-ce que c'est comme dans The Last of Us? Bah pas du tout. Je peux pas quitter. Je peux pas quitter. On est obligé de rester sur ça. Et je peux même pas couper le son. Ah quoique, attendez. Parce que j'ai pas envie de me faire bloquer la vidéo, alors... dialogue, hop. Voilà. Comme ça au moins on l'entend pas et je me fais pas bloquer la vidéo. Ah je sais, c'est horrible. Tu fous quoi toi? Qu'est-ce qu'il fout ici? Ah je sais, c'est très vide mais on a une petite musique mais what the heck. Ok c'est bon. Audio. Et
Voilà. Il a sauté. Coucou. Quand vous êtes obligé de vous cacher au plus profond de la société comme ça, vous voyez les choses d'un nouvel angle. D'en bas, et au fin fond de la ville, j'ai vu des flammes brûler. Des flammes incandescentes, mais incapables de s'exprimer. Daisy. Daisy, elle, elle a la force de représenter tous les feux de Columbia. Oh. Non, merde, non. Quand vous êtes obligé de vous cacher au plus profond de la société comme ça, vous voyez les choses d'un nouvel angle. C'est Newton, mais c'est où, espèce de... Et au fin fond de la ville, j'ai vu des flammes brûler. Ah, okay. Des flammes incandescentes, mais incapables de s'exprimer. Daisy. Daisy, elle, elle a la force de représenter okay. tous les feux de Columbia. Dans le doute. Ok, c'est bien par là. Bonjour, messieurs, dames. Pourquoi on traite certains comme des hommes et d'autres comme des animaux? Je crois que là on est. Ça arrive aussi. Allez, on le prend. Bah, c'est pas l'apanage de Columbia. Comme à Wounded Knee. Ouais, comme à Wounded Knee. Booker, voilà la fourrière. On va devoir affronter une armée pour trouver ses outils. Nous avons su que l'armurier fabriquait des armes pour la Vox Populi. On l'a écrasé comme un insecte. Le voilà ! Un intrus ! Oh putain ! Qu'est-ce que c'est marrant de exploser des têtes, hein. C'est vraiment trop fun. Ah, ok, c'est pas grave, c'est juste ça. Oula. C'est un peu paumé maintenant. Yeah. C'est qui? Non, je crois que détruisez les tourelles défense. Tarasse toi. Ah, ok. Yes, parfait. Merde, ils sont où? Attendez, merde, ils sont où? Comment vous pouvez nous laisser? Oh crève toi, crève. La miséricorde est l'objet. Oh merde. Les munitions, prenez-les. Merci. Pour la patrie.
Putain, mais sérieusement? Ils veulent pas crever là? Purée de merde. Crever un peu, non? Bon, il y a plus de tirs. Ouais. Je crois que c'est dans tes cordes. Ça a l'air assez facile. Enfin. Voilà. Allez. Le commissariat m'a rappelé les bureaux de Pinkerton, bâtiment sérieux. Ok, j'ai pas le temps de lire. Non, merde. C'est à toi. Pourquoi ça me fait des sauts bizarres? C'est bon, on peut aller ici. Ouvre-la. Bah non. Je fonce à l'abri. Faites pas d'histoire. Non, c'est comme ça. Non, défiez les os. Près de lui. Alors, est-ce que je dois descendre? Ok, mais t'es où? Ta gueule. Ah, c'est marrant. D'accord. Par contre, je trouve ça dommage qu'elle peut pas crocher. Oh, bourrasque. Ah ouais, c'est... puissant. Une bouteille de cristaux. Yes. Bon, il est où le dernier là? Il est où le petit dernier? Faut que je recharge. Elisabeth, tu peux pas encore, ok. Ah, oh, vous m'emmerdez à dire que tu es là, alors que vous ne doutez pas. Bon, allez, on va lire sa merde à elle. Le soir. Les disputes entre Madame Comstock et le prophète auraient pu réveiller un mort. Mais depuis ma couchette, je n'en distinguais jamais assez pour comprendre. Après une querelle retentissante, j'ai remarqué qu'elle avait manqué la prière du matin. Alors, je me suis glissée à l'étage pour voir comment elle allait. Et comme une idiote, j'ai traîné. Le premier jour où je suis entrée chez les Comstock, on m'a surnommée la petite de l'arrière-cuisine. Et le jour où je me suis enfuie, je suis devenu l'assassin. Vous êtes fait comme un porc. Ta gueule. Oh, c'est emmerdant, eux. Tu pourrais m'ouvrir ça? Ça devrait être facile. 5. Ah oui. C'est fait. Merci. Alors, équipement... Non mais, vos mères. C'est quoi l'équipement? Vos freinages, vous... Ah oui, oui, ça c'est très bien. Alors... Oh, allez, infusion de santé. Pile ce qu'il me fallait. Yes. Je sais que le bouclier c'est plus important, sachant que on meurt, mais vraiment à de très rares moments dans le jeu. Si vous crevez dans le jeu, faut le faire exprès. Vraiment. Quoi? J'ai pas assez? Attends, quoi? J'espère que ça a pas compté, hein, parce que si ça a compté dans la sauvegarde, on ne pourra pas continuer le jeu, ce qui est horrible, putain. Ah merde, non, on va devoir refaire le gunfight. J'espère pas. Arrêtez-le! Forcez-le à se montrer! Vous manquez de vertu! Ça m'aide beaucoup.
Oh genre je les ai quand même eu. Aïe. Trophée obtenu, David et Goliath. T'es où mec? J'ai plus rien. Il me tire d'où ce connard? Mais vous allez mourir. Non. Il n'est plus là. Ok. Par contre, je fais comment pour monter? Ok. Hop. C'est bon normalement. Putain de merde. C'est bon. Les outils, les voilà. Rapportons-les à la Vox Populi et on aura notre dirigeable. J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. Enfin. Je vais voir ce que je peux faire. Quand même, le fusil à pompe, il est grave plus en danger. Allez-y. Très bien. Qui aide-t-on vraiment en fournissant des armes à la Vox Populi? Bonne question. Ça nous aide, nous. Daisy peut changer les choses, non? Améliorer la vie de ces pauvres gens. Oui. Bon, attendez quand même, hein, parce que c'est toujours important de prendre un peu de trucs comme ça. Hein. Je sais pas comment on va faire pour transporter tout ça jusqu'à la boutique. On aurait dû réfléchir un peu plus. Cool, de la thune. Casse-toi. Ah. D'accord, Elisabeth. Qu'est-ce que c'est? On dirait une faille vers une autre version de cette pièce. Une version sans aucun outil. Alors si les outils n'y sont pas... C'est qu'ils doivent être à la boutique. Booker, si nous entrons dans cette faille, je ne crois pas que nous pourrons en revenir. Êtes-vous sûr de vouloir traverser? Vas-y. Ah! Bon, voilà le résultat. Trophée obtenu, révolte armée. Et finir notre marché. J'espère bien pouvoir filer d'ici en dirigeable et au plus vite. Booker, si la Vox Populi obtient ses armes, ce sera une véritable révolution populaire. C'est cool, non? Ouais. Aucun regret. Vous sentez ça? Daisy a touché ces gens. Les choses peuvent changer et nous pouvons les aider. Mais je ne veux pas les aider, moi. Dès qu'on a notre dirigeable, on fiche le camp d'ici. Et qu'on le veuille ou non, de toute façon, je crois qu'on va les aider parce que... Nick Taras, hein, c'est pas toi qui as fait le scénario. Elisabeth a beaucoup de compassion pour les gens de Shinytown. C'est le genre de choses qui... Ah ok, c'est des alliés. Oh,
Qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter? Regardez cette affiche. Et voici à quoi ressemble Booker. Vous êtes un héros. Je me souviens, j'ai mené la Vox, je... Slate et moi... On a brûlé l'antre des héros. Booker... Je sais plus... J'ai deux souvenirs en même temps. Revenez. Nous allons trouver Daisy Fitzroy. Et on partira d'ici sur la première dame. Allons-y. Là, je crois qu'on est à la moitié du jeu. Booker DeWitt a donné sa vie. C'est lui qui parlait avec la voix du peuple. Il est temps pour nous de défendre sa cause. Elle est venue pour Pink de tomber. Allons à l'usine. Mettons les puissants à genoux. Pour le peuple. Pour Booker DeWitt. Et pour la véritable voix. Nous allons à l'usine. Et nous ne ferons pas que la brûler. Nous devons... Je crois qu'on a fait un petit bordel là. Bon allez, je vais vous laisser écouter la conversation pas du tout si à moitié sympa et intéressant de Booker et de truc. Elisabeth. C'est un martyr. Ces gens ont besoin de meilleurs héros. Quand il réfléchit, la seule vraie différence entre Comstock et Fitzroy, ce sont leurs noms. Oh, je ne fais pas confiance à Fitzroy, elle va sûrement me trahir. C'est une vraie profiteuse. Je ne me rappelle pas de ce qui va se passer avec Fitzroy. Enfin, si je me rappelle, mais j'ai un doute. Je préfère rien dire dans le doute, mais... Si, il va se passer ça avec elle. Prenez pas vos alliés pour cible, mais je voulais pas. Oui, parce que d'ailleurs, si vous prenez vos alliés pour cible, tout simplement, ils vont quand même vous tirer dessus. Malgré tout ça, que vous êtes Booker DeWitt, ils vous tireront dessus. Ah merde, c'est vrai. On a réussi. Je ne sais pas si je nous ai emmenés dans un monde. Et la vente sur ses armes. Si je vois. Wow. Ah oui, elle est là, l'armurerie, normalement. Alors, ah merde, on s'est pas gagné. Ah, ils ont été tués. Ce n'est pas ce que je voulais voir arriver. Elisabeth. Ils sont morts, Booker. Allez, partons d'ici. On va récupérer notre dirigeable à l'usine. Ce n'est pas de notre ressort, rien de tout ça. Tu as ouvert une porte sur ce monde et on est entré. Vous êtes sûr, Booker? Est-ce que je nous ai mis dans un monde où Chen-Li m'a interrompu? Où est-ce que je l'ai créé? J'ai toujours cru que le pouvoir me servait à donner corps à mes rêves. Allez, elle vient récupérer la première dame. Bonjour. Vous allez bien, messieurs? Camarade. Allez, on va tous paniquer. Explosez tous ces chiens. Thanks. Ta gueule. Hop. Aïe. Méchant, va. Méchant.
Meurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans leur cadavre? C'est aussi crève. Nous... Venez, messieurs. Oh, la double. Oh, c'était beau. Mon dieu, que c'était beau, cette double. What the heck? Alors, soit c'est buggé, soit... t'es pas censé aller ici, normalement. Ouais, on n'est pas censé aller là. Je veux passer. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Oh putain. Tous mes amis sont morts. Bon, attendez quand même. S'ils veulent ouvrir les portes, quelqu'un doit descendre ce dirigeable. Quelqu'un, ça veut dire nous agitons les foules. J'avoue que ça veut dire nous là quand même. Comment tu veux que je défonce cette merde? Non, je ne sais pas comment faire. Ah ok, c'est peut-être pas par là en fait. Peut-être. Le bruit est très horrible. Je peux même pas monter. Je vois que... Ah bah. Comment tu veux... Je sais comment. Ah putain. Là j'ai peur de faire de la merde, je sais même pas ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut le neutraliser d'ailleurs. Hein, mais... Ok, comme ça. Ah, je dois saboter le moteur et détruire ce truc. Allez, on y va un peu. Toi tu crèves. Allez, on fait ça et après. Allez, allez, on a récupéré la première dame, ok, on craque. Ah, faut qu'on descende. Je suppose qu'il peut. Ok, il va exploser, du coup, on doit partir. Non. Ah ouais quand même. Eh bien je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager. Et surtout à vous abonner et vraiment liker, commenter pour le retour après 2-3 semaines. Surtout qu'il y aura sûrement encore une grande pause vu que je vais devoir me faire hospitaliser et tout le bordel, bref. Du coup, eh bien voilà, à bientôt tout le monde.